Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste les best-sellers du Ardennes, ok? Je suis allée sur leur site, on a déjà fait ça en fait dans le passé une fois, on a fait avec le garage. Fait que dans le fond, c'est d'aller voir quels sont les items les plus vendus dans un certain magasin. Puis j'ai hâte de voir, ben, en fait, j'ai déjà vu parce que j'ai déjà magasiné, duh. Mais j'ai plusieurs items que je suis vraiment excitée d'essayer parce que je m'attendais comme pas à ça, parce que je magasine pas vraiment tant souvent au Ardennes en fait. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que la clientèle cible achète le plus? Puis sérieusement, il y a des trucs que j'étais comme, vraiment? C'est-tu vraiment ça? Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte d'essayer ça avec vous. Mais avant de commencer, guys, je veux vous parler de mes bijoux préférés. C'est les seuls bijoux que je porte. Littéralement, maintenant, là, genre, c'est la seule chose que je porte, ok? C'est les bijoux Anna Luisa, guys. Puis je veux vous présenter les nouvelles pièces que j'ai pour cet été, en fait. Ben là, comme je vous ai dit, je suis dans une passe plus noire. Fait que là, j'ai comme pas de bijoux noirs. Mais en même temps, je voulais des bijoux qui font été. Puis finalement, ok, j'ai trouvé les bijoux parfaits. Premièrement, voici le collier, donc noir, qui va fitter avec toutes les outfits noires. Mais le collier est fucking réversible, ok? Fait que, first of all, ça c'est un truc. Deuxièmement, ok, là, en passant, guys, je sais pas si vous savez, okay, mais j'ai un tatou. Puis j'ai toujours voulu avoir un autre tatou, mais je savais pas ça allait être quoi. Puis là, depuis que j'ai ces boucles d'oreilles-là, je pense très fortement que ça va être ça, genre mon prochain tatou. Fait que c'est un petit signe de yin et de yang. Je trouve ça tellement adorable. Mais ce n'est pas tout parce que, guys, ces boucles d'oreilles sont glow in the dark. Littéralement, ils flashent dans le noir, ok? J'ai aussi d'autres bijoux de eux qui flashent dans le noir aussi. Ils ont comme une petite collection, sont sortis avec ça. Pis c'est tellement parfait pour l'été parce que, genre, mettons, je les porte dans des festivals surtout, ok? T'es dehors toute la journée, fait que genre, t'as tes petits bijoux cute, passe-partout, qui fit avec tout. Pis après ça, genre pendant la journée, le soleil tombe sur tes bijoux, fait que ça fait que ça les recharge. Pis quand la nuit tombe, t'as des fucking bijoux qui flashent dans le noir. Je m'excuse, mais genre, est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes? Sérieusement, je trippe sur leur collection. Fait que eux autres, je suis vraiment gros coup de cœur. Pis sinon, j'ai acheté aussi... Ok, je m'excuse pour les sirènes, on est à Montréal. Ces petites boucles d'oreilles ici aussi qui sont vraiment plus style été, là, qui fit avec mes petites outfits... plus de couleurs. En fait, genre, ça fitterait vraiment avec ce que je porte en ce moment. En tout cas, donc, les voici adorables. C'est eux que je porte dans l'autre, le clip que vous allez voir quand que je magasine avec le collier, mais comme réversible. Fait que, sérieusement, c'est tellement... Je suis juste obsédée. Littéralement, c'est de la bonne qualité pour des bons prix. Puis c'est ça, je fais pas d'infection avec ces bijoux-là. Ils sont aussi très conscients de l'environnement. Fait qu'ils ont une empreinte de carbone neutre, puis une empreinte d'eau neutre. Fait que, sérieusement, là, je vous conseille fortement d'aller voir les bijoux analogiques. Ça, je vais mettre le lien dans la boîte de description si jamais ça vous intéresse. Puis c'est ça. Sur ça, guys, on va essayer le premier item. Alright, donc on va y aller en catégorie, en ordre des catégories que j'ai magasinées. Donc la première catégorie, c'était les tops, toutes confondues. Et je dois dire que je pense que c'est genre l'item que je suis le plus excitée d'essayer dans toute la vidéo parce que c'est le truc que je me vois le plus garder. Ok, donc là, je suis chez mes parents en ce moment, c'est pour ça que le setup est un petit peu différent. Mais donc, je vais aller sur le site de Ardennes et on va aller voir c'est quoi la première catégorie de vêtements. Donc, ça dit les tops. Donc, voyons voir dans les tops. Est-ce que je fais top, toutes catégories confondues, j'imagine. Et là, je m'en vais dans les filtres. Je peux cliquer classer par best sellers, donc les meilleurs vendeurs. Ok, le premier truc que je vois, c'est... pas ce que je m'attendais. C'est pas genre un chandail, un t-shirt, un crop top, ni rien. C'est une espèce de sweatshirt, mais vraiment cute, par exemple, qui est rose. Honnêtement, je suis pas déçue. Je le trouve vraiment beau. Ça fait pas tant été, mais ça a l'air hyper confortable. Fait que je vais l'ajouter à mon cart. Oh, il l'a pas en ma taille, par contre. Je vais prendre un médium, puis espérons que ça va bien me faire. Donc, voici le sweatshirt. Puis je dois dire que, juste à première vue, ok, la qualité a l'air moins bonne que de ce que ça avait l'air sur le site. Je trouvais que ça avait l'air tellement du truc le plus comme cozy pis doux. Pis ça, c'est un petit peu plus genre matériel comme une espèce de serviette. Mais en même temps, c'est quand même léger. Fait que c'est peut-être l'idéal pour l'été vu que tu veux comme te garder au chaud. Mais en même temps, avoir quelque chose de quand même frais et léger. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Ok, donc voici le hoodie. Et, ben c'est pas un hoodie en France, il y a pas de hood, mais le sweatshirt. Et honnêtement, c'est fucking parfait, ok? Premièrement, l'intérieur est
super doux, ok? C'est super confortable. Puis aussi, c'est juste trop fucking cute. Tu sais, là, quand tu vois, mettons, genre, parce que quand j'étais jeune et j'avais un chandail, que ma mère, elle avait un chandail, un zip-up, genre, qui était, je le portais tout le temps. Parce que, tu sais, si j'ai un chandail de quelqu'un d'autre, puis c'est déjà porté, genre, fait que t'es juste confortable, puis t'es cosy, puis t'es bien. Puis ça, là, c'est littéralement ça. J'ai l'impression qu'il a appartenu à quelqu'un, puis qu'il est déjà full porté. Mais en même temps, il est tellement fucking cute. It's such a vibe. J'adore qu'il soit rose. C'est juste parfait. C'est parfait. Il a coûté 39$. J'aime tellement ça, le fait que ce soit genre un demi-zipper. Ouh, ok, puis il y a des poches aussi. Oh, c'est genre une poche commune. Oh non, mais sérieusement, ce chandail-là est genre trop throwback. Ça me donne envie d'aller faire du camping avec, de faire chauffer des guimauves sur le feu. Non, non. Gros coup de cœur. Je le garde, c'est sûr, puis c'est ça. Ok, passons au prochain item. Ok, là, ça commence bien, Titi. Le deuxième item qu'on a acheté, c'était dans la catégorie camisole, ok? Fait que, ben, c'était comme tank top. Voyons voir, best-sellers. Ok, ça, c'est un top vraiment basic. Ça m'inspire pas nécessairement à l'acheter. Mais en même temps, je me dis, au moins, il est pas en noir. Ok, donc on a le petit crop top ici. C'est juste vraiment, genre ça, dans la catégorie basic, là, c'est basic. Ok, donc voici le petit top. Puis, je dois dire que, ok, je suis pas tant impressionnée parce que j'en ai déjà, genre, qui ressemblent, tu sais, qui sont vraiment similaires dans le style. Fait que je pense pas que je vais le garder, malgré que... Il a coûté combien? Il a coûté 5$, guys. 5$, puis je dois dire que je suis vraiment surprise par la qualité. Il est hyper doux. Genre, il file vraiment bien. Puis encore une fois, tu sais, moi, j'ai la peau hyper sensible. Je fais de l'eczéma partout. Fait que toutes les cols, tout ce qui me touche la peau, en fait, je le sens, genre, vraiment plus. Puis ce matériel-là est hyper doux et confortable. C'est juste la parfaite quantité d'élasticité. Puis genre, je dirais pas que c'est le top qui me va le mieux, là, parce que moi, des tops dans cette coupe-là, ça met vraiment de l'accent sur mes épaules. Mais sérieusement, autre que ça, je trouve vraiment que c'est un bon top. C'est vraiment un bon basic, puis là, dans d'autres couleurs aussi. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez l'acheter, parce que genre, fucking 5$, what? Alright, le troisième item qu'on va essayer ensemble, c'était dans la catégorie short. Je me demande, j'assume que ça va être des shorts de jeans. J'ai l'impression que genre des jeans en général, ça va être ça le plus populaire. Et c'est des shorts de jeans. Donc, oh, il a pas en ma taille par contre. Il y a juste 5. Ah, oh, puis j'aime pas la couleur. Fait que je vais le voir en noir. Non, mais il y a pas ma taille non plus. Bleu, il y a pas ma taille. En gris, il y a ma taille. Des shorts grises, guys. Je sais pas si c'est juste moi que c'est pas ma vibe. J'ai l'impression que j'ai jamais eu de shorts ou même de pantalons de cette couleur-là, en fait. Donc voici, mais honnêtement, ils sont cute. Là, je les regarde. C'est dans ça, je suis vraiment plus dans une passe que ben, ça fait un bout, là. C'est comme plus la mode de genre des pantalons bleu jean, mais comme bleu pâle plus que foncé. Fait que peut-être que dans le fond, le gris est à l'horizon. Ok, donc voici les petites shorts. En passant à la question, je viens de remarquer que genre la lumière a fait un espèce de truc bizarre. Désolée si vous l'aviez pas remarqué, puis là, vous allez le remarquer. Mais dites-moi si ça vous dérange, parce que je peux la fermer, sinon c'est pour les vidéos futures. Puis dites-moi aussi si vous aimez ça, parce que là, clairement, je suis dans mon nouvel appartement. Si jamais vous avez pas écouté mon move-in vlog, je vais mettre le lien si vous voulez l'écouter. Mais dites-moi si vous aimez le setup, genre que je filme devant mon linge, ou est-ce que vous trouvez que c'est trop chargé, puis qu'on voit pas assez bien, parce que sinon, je peux filmer genre sur un autre mur, peut-être. Mais vous me laisserez savoir ça avec commentaires. Donc, c'est ça. Ben, pour ce qui est des shorts, honnêtement, j'aime bien la coupe. Par contre, pour ce qui est de la taille, guys, genre, je sais pas quoi faire de tout cet extra tissu, mais remarque que moi, j'aime ça avoir des pantalons plus ajustés. Peut-être que aussi, ça fait partie de la coupe, de juste avoir du lousse, parce que sinon, autre que ça, genre, le fit est vraiment bon, genre, ou mes fesses, pis tout, je trouve vraiment que c'est la bonne grandeur. Fait que c'est à vous de voir, ça dépend de vos préférences. Mais honnêtement, ils sont cute, mais je suis pas en amour. Et puis c'est tellement taille haute, oh my god, je viens juste de remarquer. Genre mon nombril est là. C'est fucking taille haute. Oh, ils ont coûté combien? Ils ont coûté 29,90$, c'était ça spécial. Ouais, il y avait 40% de rabais, donc ils revenaient à 17,94$. C'est vraiment un bon prix. Fait que si c'est votre vibe, allez-y, mais moi je vais pas les garder parce que c'est pas le fit parfait pour moi. Ok, la prochaine catégorie qu'on essaye, c'est la catégorie jupe. Ok, attends, je regarde les jupes qu'ils nous offrent ici.
c'est vraiment pas mon genre. Fait que j'espère que ça va être des jupes différentes de tout ça. Ok, c'est une tennis skirt with biker shorts. Fait que c'est genre une jupe culotte. J'aurais ça à prendre en rose. Remarque que là, par exemple, il nous la conseille en noir. Puis à date, je stick avec la couleur qu'il nous conseille. Mais en même temps, noir, c'est... J'ai l'impression que blanc, hein, c'est peut-être genre un juste milieu. Parce que s'il y a des chances que je la garde, c'est en blanc. J'ai pas l'impression que je vais la garder si elle est en noir. Et voici la petite jupe. Guys, je suis un petit peu confuse par la texture, hein. Ah, c'est genre deux tissus différents. Ok, en gros, la bande ou la taille, c'est vraiment genre une bande comme sportive. On aurait vraiment dit genre une jupe de... Ben, une jupe de tennis, c'est vraiment ça que c'est. Mais en même temps, à partir d'ici, le reste de la jupe est comme fait en chiffon, genre. Fait que ça file quand même vraiment plus cheap. Mais c'est une jupe culotte, guys. Puis la culotte est la même. Ok, ben c'est vraiment genre un truc pour faire du sport. Il y a même une pochette sur le côté. Puis on va checker si mon téléphone rentre dedans tantôt. Mais c'est ça. Fait que les shorts en dessous, c'est la même texture que la bande ici. Fait que dans le fond, je sais pas pourquoi il n'y aurait pas tout fait avec la texture de sport. Ou je sais pas. En tout cas, on va la mettre. Alright, voici la petite jupe sur moi. Guys, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis comme un petit peu, mais je suis partagée en fait, parce que premièrement, je pense pas que ça me va tant bien. Je pense que la texture genre chiffon, je trouve que ça fait vraiment cheap. Sinon, les shorts en dessous, testons la poche. Ok, ça rentre quand même bien. Puis sinon, la taille, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus serrée. Pourtant, je l'ai pris en XL. J'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus serré. Genre, si c'est pour être comme un pantalon de sport, une jupe de sport, j'aurais aimé ça, tu sais, me sentir un petit peu plus snatch. Genre, là, j'ai juste l'impression que c'est tout un petit peu loose. C'est un petit peu long aussi. Pourtant, ça, c'est ma préférence personnelle. Mais comme si une jupe culotte, genre, ça veut dire que tu peux y aller court parce que de toute façon, ça va être safe. Fait que là, la longueur, je suis comme pas en amour non plus. La qualité, sur le bof, je sais pas. Elle était à 27, elle était à 40% de rabais. Fait qu'elle revenait à 16,20$. Fait qu'encore une fois, c'est pas cher. Puis justement, je comprends ça vraiment beaucoup pourquoi c'est dans les plus populaires. Parce que justement, c'est une coupe qui est hyper populaire en ce moment. Là. Mais moi, personnellement, si j'étais pour vouloir m'acheter une jupe de tennis dans ce style-là, ben ce serait pas, je l'achèterais pas au Ardennes. Tant qu'à moi. Ok, on est rendu à la catégorie jeans. Et fouillez-moi pourquoi j'ai décidé d'aller acheter des jeans, parce que genre on s'entend qu'on est l'été. Et finalement, je m'attendais vraiment pas à ça. Guys, c'est même pas des jeans qui sont sortis. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi les jeans. J'aimerais ça qu'il y ait genre des jeans genre colorés. Tu sais, des jeans comme d'été ou le fun funky, genre. Des overalls. C'est ça leur jean le plus populaire. Ok, c'est une salopette. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est tellement pas mon genre, mais en même temps, elle porte vraiment bien. Fait que peut-être que ça pourrait être cute. Donc, guys, voici la paire de overalls. C'est quoi? C'est une salopette. La qualité est environ similaire, je dirais, aux shorts qu'on a essayé. Puis je pense pas que j'ai jamais eu, genre, j'ai jamais possédé de... Voyons si le mot crème, tu l'oublies à chaque deux secondes. Salopette. Je pense pas que j'ai jamais eu de salopette. Peut-être, genre, quand j'étais jeune, comme que mes parents m'ont habillée dans une salopette quand j'étais bébé ou quoi, là. Mais ça m'étonnerait que ça m'aille bien. Ça me va jamais bien, il me semble. Mais, hey, je vais la mettre, ok? J'arrête de parler. C'est juste tellement pas mon style, guys. Je comprends pas qu'est-ce que je fais là-dedans. Honnêtement, je trouve ça cute. Genre, ok, je trouve pas ça cute sur moi, mais je vois comment la salopette elle-même est cute, ok? Aussi, je dois dire que j'ai pris une small. J'aurais clairement dû prendre une expansion. Ok, il y a des poches. Clairement, ça, genre... J'ai zéro envie de porter ça, ok? C'est sûr que je la garderai pas, même si elle coûtait comme 5$. Mais en même temps, genre, j'ai l'impression que j'ai déjà vu des salopettes pires que ça. En termes de salopette, je pense qu'elle est bien. Mais comme, dans la... C'est quoi ça? Pourquoi il y a un spot là, genre? Elle a coûté combien? Ah, mais hé, pas cher! Ok, c'était genre à 54,90$, puis c'était à 50% de rabais. Je me demande pourquoi. Fait que ça revient à 27,45$. Honnêtement, hey, 27$ pour ça, si c'est le genre de truc que vous portez, là, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité pour le prix, ok? Je trouve qu'on en a pour notre argent. Mais, c'est ça, ok, j'arrête de... J'essaye d'en rajouter, mais j'ai rien à dire. Fait que, passons à la prochaine catégorie. Ok, il nous reste 4 catégories, puis la prochaine, c'était de la collection, justement, KGMTL. Quelle catégorie qui reste? C'est quoi
KGMTL. Ça dit c'est nouveau. Ah, c'est genre une collaboration. C'est qui elle? Ça me fait penser à Kim Kardashian. Ah, mais check le sweater dans le top. Le premier truc qu'on a acheté, ça faisait partie de cette collection-là, je pense. Fait que je vais-tu acheter juste le best-seller de cette collection-là en général, même si j'ai aucune idée c'est qui. Il a l'air d'avoir beaucoup de roses. Le best-seller, c'est un legging. Ça a l'air pas mal basic, mais en même temps, on va pouvoir. Fucking awkward, guys. J'allais dire, je vais l'essayer pour voir si c'est de la bonne qualité, puis en plus, ça va fitter avec le sweatshirt. Mais même sur la photo, la fille, elle a un fucking camel toe. Genre, on voit son coochie, genre. C'est vraiment awkward. Est-ce que vous voyez ça? Je m'excuse. Ok, tu sais quoi? Je vais l'essayer juste pour qu'on puisse le tester nous-mêmes, ok? J'ai bien hâte de voir. Ok, donc, shit, ok! Là, t'as un peu, là. La qualité est vraiment bonne, je trouve. Mais est-ce que je vais rentrer dedans? J'ai l'impression que c'est minuscule. Ça, pour une fois que je prends quelque chose qui est dans ma taille, il va falloir que ce soit plus petit. Ça, je les prends avec small. En tout cas, donc, j'adore la couleur. Puis clairement, je vais l'essayer avec le sweatshirt. Oh my god, c'est juste... Je les regarde, puis ça va déjà être parfait. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si... On va voir mon camel toe. Est-ce que la région, surtout quand tu fais du sport, là, on s'entend-tu que tu vas bouger beaucoup? Fait que genre, faut que tu sois safe de partout. Ok, guys! Voici les leggings et honnêtement, oh, je suis déchirée parce que j'aime vraiment la waistline. Je trouve ça hyper flatteur. Puis je trouve que, tu sais, ça enrobe bien les courbes. Je trouve que c'est vraiment... C'est super cute, mais le fucking problème, c'est que cette ligne-là, ici, ok, est plus, pas serrée, mais comme, c'est cousu, ouais, c'est ça. Je vais utiliser mon serré parce que je sais pas c'est quoi le vrai terme, là, mais comme elle fait vraiment plus serrée que le reste, ce qui fait qu'elle me rentre dans le coochie, puis c'est juste tellement, c'est tellement pas flatteur, guys, vous comprenez même pas, puis je suis hyper déçue, ben littéralement pour dire que c'était comme ça sur le site. Ils ont même pas voulu, genre, photoshopper le truc, rien, là, c'est comme... Ça doit faire partie du design à ce point-ci, là. Mais je suis vraiment déçue parce que c'est... Ils sont tellement cute. Puis genre, je ne peux qu'imaginer avec ce sweatshirt-là. Autre que ça, côté confort, hyper confortable. À vos risques et périls, si jamais vous voulez l'essayer. Ils ont coûté combien? Ils ont coûté 26$. Honnêtement, si c'était pas de ici, je vous dirais que ça en vaut totalement la peine. Mais c'est ça, ça va être un non pour moi. Ok, la prochaine catégorie. Catégorie robe. Voyons voir quelle est la robe la plus vendue. À date, je regarde les robes qu'ils nous offrent, puis c'est pas mon genre. Ah non, ça m'inspire vraiment fucking pas du tout, là. Au moins, pas cher, mais c'est un basic, mais c'est une robe longue. C'est la longueur, j'aime trop pas. Oh my god, je sais que je vais pas aimer ça. C'est zéro mon style, mais en même temps, j'ai hâte de l'essayer parce que justement, c'est le genre de truc que genre, je prends même pas le temps d'essayer en magasin ou en ligne parce que je sais à quel point j'aimerais pas ça. Fait que je me dis, le fait que ça me force à l'essayer, peut-être que dans le fond, je vais me découvrir une nouvelle passion parce que je dois dire que ça a l'air fucking confortable. S'il y a un truc que cette robe fait, ça doit être le confort. Mais c'est quand même épais! Ok, fait que ça, je suis vraiment surprise par la qualité. Ça a l'air d'une vraiment bonne qualité, mais ça a l'air chaud. Genre, je trouve pas que ça a l'air d'une robe d'été du tout. En plus, qu'elle est longue, puis en plus, qu'elle est noire. Mais le tissu est hyper, hyper doux. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Voici la robe. La pièce est attendue. Et je dois dire que, honnêtement, je suis quand même agréablement surprise. C'est moins lourd que je le pensais une fois que, genre, que je la porte. Il y a aussi une slit sur le côté. Voici la longueur. Je vais rester avec mon idée initiale que ce n'est pas nécessairement pour moi. Genre, je m'imagine vraiment pas aller faire quoi que ce soit comme activité ou sortie avec cette robe. Par contre, c'est vraiment mieux que je le pensais dans le sens que j'aime vraiment la coupe. C'est super simple dans le haut et ici c'est bien moulant ou la taille. C'est hyper confortable, genre tu pourrais vraiment aller au parc comme ça ou faire littéralement n'importe quoi puis être super confortable. Je suis agréablement surprise. Donc elle a coûté 19,80$. Puis elle était même pas spéciale, c'est-à-dire qu'elle était à 19,80$ à la base. Ça je trouve vraiment pas ça cher pour la qualité, je vous jure. Ardennes m'étonne vraiment pour ce qui est de la qualité. Fait que... That's not cute. Ok, il nous reste deux catégories, guys. La catégorie romper et la catégorie maillot. Ok, on va garder maillot pour la fin, mais c'est romper, jumpsuit et romper. Ok, c'est genre une espèce de bodycon
romper super basic noir, mais je trouve qu'il est genre, j'ai hâte de l'essayer parce que c'est genre le truc super simple, mais je pense que ce serait bien pour l'été ou bien pour mettre en dessous de justement comme à l'opéra, là, une jacket ou quoi. Et il n'y a pas ma taille. Fait que, est-ce qu'on va voir c'est quoi le deuxième romper? Ah, oh, c'est le genre de romper que je portais genre quand j'étais comme au secondaire là. Oh non, j'aime pas ça. Dis-moi qu'il n'y a pas ma taille. Il y a ma taille, esti. Ok, on va le mettre dans le cart. Donc, romper, comme vous avez vu dans le dernier clip, j'étais pas la plus excitée à l'idée de ce romper. Mais je dois dire qu'encore une fois, c'est trop pas le tissu que je m'imaginais parce que j'ai l'impression qu'on portait beaucoup de trucs dans ce genre-là. Justement, quand j'étais au secondaire, on m'avait dit, je sonne tellement comme ma mère. Genre, on portait ça dans le temps! Oh my god, ok, bref. Mais c'était vraiment genre un tissu plus un chiffon, genre cheap. Tandis que là, j'ai pas les mots pour décrire c'est quoi cette texture-là. C'est vraiment plus doux. Ben, c'est pas doux, mais c'est comme, c'est hyper extensible. Puis je dois dire que ça file vraiment parfait pour l'été parce que ça a l'air d'un tissu genre super, tu sais, qui est léger, mais qui a l'air quand même assez opaque, ce qui est bien. Puis qui a l'air de bien respirer. Il reste juste à l'essayer. Ok, mais pourquoi est-ce que j'aime quand même ça? Guys, ok, premièrement, il n'y a pas de poche. Premier problème. Je suis pas une fan et de la couleur, premièrement, et du pattern. Peut-être que s'il y avait genre quelque chose d'autre de différent dessus, ce serait peut-être plus par vibe. Sinon, la taille est bonne. C'est hyper simple, justement. C'est juste basic. Puis ça fait du sens parce que c'est un best-seller. Par contre, ce que j'aime, premièrement, les bretelles sont ajustables. Ça, c'est toujours un plus. Puis aussi, il y a comme le col. Ah, ça fait full avec mes bijoux. Oh my god, trop cute. Mais ouais, le col est comme en V, on aurait dit. Il y a comme une ligne qui passe ici qui vient retirer le col pour en faire comme une shape de cœur. Fait que je trouve que c'est un détail quand même assez cute. Plus que je la regarde, plus que je le sais. Il était à 40% de rabais, fait qu'il revenait à 13,74. Donc encore une fois, vraiment pas cher, mais c'est juste, c'est pas ma vibe personnellement. Et on est déjà rendu à la dernière catégorie, guys, les maillots de bain. Voyons voir c'est quoi le best-seller maillot du Ardennes. Puis je pense que c'est la dernière catégorie qu'on va faire pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, croisons les doigts pour avoir quelque chose de cute. Un One Piece. Encore une fois, ça m'inspire pas. C'est un One Piece noir. Mais au moins, on va pouvoir tester la qualité. Puis le, si c'est confortable. Ouh! Le dos est intéressant. OK. Fait que c'est pas juste super simple. Le dos, il est comme, il est lacé. Fait que ça me convient. Il y a pas X-Mall. Puis il est en bleu. En bleu, il y a ma taille. Fait que je pense que je vais le prendre en bleu. Normalement, c'est pas une catégorie que j'aurais faite, mais j'étais juste vraiment curieuse, encore une fois, de voir le monde qui achète des maillots de bain aux Ardennes, parce que je trouve tellement que c'est pas une place de maillots de bain. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont à offrir, puis quel est le meilleur vendeur. Puis c'est ça, je suis pas mal sûre que c'était censé être en noir, mais il y avait pas ma taille, si je me rappelle bien. Donc on l'a pris en bleu. Ce n'est pas vraiment ma couleur, guys. Puis en plus, c'est un One Piece. Je porte pas non plus de One Piece. Mais le détail que j'aimais, c'est le fait que ce soit ajustable dans le dos. Fait que il me reste juste à le mettre. OK, juste avant de le mettre, là, je veux préciser, j'ai remarqué que ici, de chaque côté, il y a une espèce de boning. Fait que c'est comme, je sais pas c'est quoi en dedans, peut-être un plastique ou quoi, là. Mais ça fait que ça va garder la shape. Fait que c'est pas juste comme des cordes qui passent n'importe comment. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Genre de ici à ici, il y a comme un truc dur dedans. Fait que ça, c'est cool. Puis, une autre affaire aussi, l'intérieur, les paddings. Il y a comme une espèce de brassière intégrée en plus des paddings. Puis, ils sont aussi removable. Fait que tu peux les enlever ou en ajouter plus si vous êtes comme moi. OK, donc voici la dernière pièce. Et guys, je suis pas une grande fan. Je trouve que ça a l'air d'un maillot de compétition. Genre, c'est tellement sérieux. Puis, la coupe, mais c'est cute, là, le détail de proche. Mais la coupe, je trouve pas qu'elle est en flatteur sur moi, en tout cas pour ce que j'aime. Je trouve que c'est juste trop beau en fait. Je préférais que ça monte vraiment plus haut. Puis sinon, pour ce qui est du dos, j'aime vraiment le dos, je dois dire. Puis je trouve que les fesses, pour être un maillot qui couvre quand même, ben c'est pas genre la couvrance, c'est-tu un mot, je sais pas. C'est pas le maillot qui couvre le plus, mais en même temps, c'est vraiment pas genre le string. Je trouve que c'est quand même très approprié. Puis pour ce qui est du dos, je trouve ça vraiment le fun. Sinon, pour ce qui est de la couleur, j'aime vraiment ça. C'est vraiment pas genre de couleur que je porte, mais étonnamment, je trouve que ça me va bien. Puis c'est ça! J'ai un petit peu inconfortable, ok? Je vais me rasseoir. Ah, je vous ai pas donné le prix. Il était à 40% de rabais, donc il revenait à 17,94. Donc ça, encore une fois, la qualité, je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment juste pas nécessairement
pour moi. Mais voilà, guys, qu'est-ce que vous avez pensé des best-sellers du Ardennes? Est-ce que vous trouvez que ça représente genre ce que vous voyez le monde porter dans la vie de tous les jours? Je pense que la seule affaire que je veux garder, en fait, c'est vraiment ce sweatshirt-là. Je suis fucking en amour! Puis parlant d'être en amour, je veux remercier encore une fois Ana Luisa pour sponsoriser mes vidéos puis m'envoyer des bijoux tellement cute. À chaque fois qu'ils m'en envoient, ils sont juste plus hot que la dernière fois. Fait que je vous conseille vraiment d'aller regarder leur site. Encore une fois, le lien va être dans la bio si vous voulez avoir mon coupon code. Et sur ce, guys, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!